6,4 points de pénalité avec une note de style de 14. Et donc, c'est le départ pour la tête du provisoire, celui qui a gagné le championnat des 4 ans, Thomas Carlile, Upsilon. Upsilon is off and out of the starting box. Upsilon number 538, who was the horse that won the four-year-old championship last year, obviously with the elite ranking, the best of the elites. Upsilon, who is a five-year-old, obviously, the son of the Holsteiner, Canturo Bois-Margot, crossed with the Anglo-Arabian Ovive by Foussin du Défi, bred by Patrick Siskay and belonging to the SAR Les Écuries de Caroline Complet Eventing. Thomas Carlile, who is riding? Tout à fait, Alison. Upsilon, un mâle anglo-arabe de croisement, un fils de Canturo Bois-Margot Holsteiner et Ovive anglo-arabe par Foussin du Défi nationaux anglo-arabe. Il est né dans le Gers, bien sûr, chez M. Patrick Siskel. Il appartient à la SRL les écuries de Carlile Complet Eventing, monté par Thomas Carlile. Alors, nous avons le passage du guet Sotis pour Anita Calafiore, donc pour l'Italie, qui en termine avec ce parcours, en compagnie de Gargantua. Upsilon, who's heading up there into the woods. Upsilon, who not only won last year, but is currently in the lead after the dressage test with 30.5 penalties. Cinq minutes, 11 secondes, un peu de dépassement de temps. 7.6 de dépassement de temps pour Anita Gargantua, tandis que c'est... L'habit noir donc, de l'ENE qui va prendre le départ en la personne de Mathieu van Landegem. Et il nous présente Unever du Manaou, ENE HN. Unever du Manaou, ENE HN à Hongre, anglo-arabe, un fils de Forever 4 à Rennes-Nationaux, celle français, par Yenessier du Loup, anglo-arabe, par, et, pardon, non, et Yenessier du Loup, anglo-arabe, par Riff du Croc, anglo-arabe, qui est né également dans le Gers chez M. Claude Saramon, qui appartient bien sûr à l'Institut français du cheval et de l'équitation, présenté par notre cavalier en noir, Mathieu van Landegem. Currently on the race course number 541, Unever de Manio, ENHEHN, who is the son of the self-français forever out of the Anglo-Arabian. Inessier du Loup by the Anglo-Arabian Riff du Croc, bred by Claude Saramon. He now belongs to the Institut français du cheval et de l'équitation and ridden by Mathieu van Landegem. Allez, on regarde ce passage de guet. Regardez, ah, un joli saut. Alors, l'arrivée de Upsilon.